Yo, avant de commencer la vidéo, je voudrais faire une pub pour ce serveur, le serveur de Darkfan. Voilà, donc c'est le gars qui améliore mon serveur, donc c'est pour ça que mon serveur là il est fermé. Mais abonnez, enfin, rejoignez son serveur, lien en description, et voilà. Merci à ceux qui le feront. Merci. Salut à tous les amis, c'est Flayfer, aujourd'hui on se retrouve tout simplement pour continuer la survie Minecraft. Voilà. Et donc voilà, on se retrouve à tout simple. Ah ouais, c'est vrai, j'ai quitté juste après l'intro de l'épisode précédent, donc il s'est quasiment rien passé. Donc dans cet épisode, je vous propose de récupérer tout l'or qu'on avait trouvé là-bas et de chercher, bah du coup, de chercher une forteresse du Nether. Voilà, c'est tout ce que je vous propose. Bah, allez, let's go, on va faire ça. On peut clairement le faire. Stuff Netherite, le dragon. Hop, d'ailleurs, il y a une des quêtes, c'est récupérer de la redstone sur Discord. Donc, je vais faire ça. Et je vais aussi prendre les pistons collants parce qu'il faut aussi les récupérer. C'est les quêtes. Je vais prendre aussi le slime. Hein. Voilà. Hop, je prends aussi. Ça, du coup, ouh, j'ai failli le regarder. Ouh. On va tuer notre première enderpearl. Il est où? Bah, il est où? Ok, il y a un magma bloc, magma cube, magma bloc. Appelez ça comme vous voulez. Je vais même prendre tout ça là. Bon, bah on a tout pris, hein. Bref, on va regarder ça. On va prendre tout ça. Je pense qu'on va rentrer tout de suite. Ouais. Ok, en fait je sais pas pourquoi mais je spawn là. En fait il n'y a pas de portail, en fait je comprends pas. Il y a zéro portail, il n'y a rien pour que je spawn là. Je comprends pas. Il y a aucun portail. Je comprends pas pourquoi je spawn là. Faudrait voir pourquoi. Je pense en fait on va faire notre base dans le Nether pour la fin, vu que c'est une petite survie qui va pas durer longtemps, donc ça va bientôt se finir en fait. Donc on va établir notre base dans le Nether. Oula. Hop. Du coup on va tuer aussi ces lamas parce que bah justement il nous faut du cuir. Lâcher. Bon bah c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Ah si, il y a du cuir là. Je vais lâcher quoi? Allez, une épée, let's go. 3 de cuir. On a eu un peu de cuir du coup. Est-ce qu'il y a encore du cuir? Non, il y a juste du zombie, il n'y a pas de cuir du tout. Vas-y. Et lui, on va l'enfermer au cas où. On va l'enfermer en... Oh merde, il s'est mis en invisible. Ça. Ouais, pas grave. Il est bloqué sur mon île. Après, ça se trouve, vu que j'ai dit qu'il est venu en barque, il peut s'enfuir. C'est pas grave, mais... Bref, du coup, on a 3 de cuir, non, 2. On n'a que 2 de cuir. Bon, bah, c'est pas grave, on va descendre dans la base. Yo, notre petit chat. Ça va? Bon, allez.
Alors, du coup, je suis revenu pour tout simplement. Bah, alors, déjà ranger tout ce que j'ai dans les coffres parce que là, c'est pas possible. Alors, ok, du coup, on va aussi voir dans la table de craft. Du coup, alors, ok, le mode il a été à jour. C'est pour ça que je trouvais pas, donc c'est ça. Ok, je comprends pas pourquoi c'est ça. Bon. Bon, on va y aller chercher du bois, on va prendre ça et puis. Ouais, du coup, il y a aussi. Alors. Ok, attends, Snowbell. Hop. On va prendre ça et on va faire nos expériences. Alors, on va prendre déjà nos blocs, notre or, tout ça. Hop, alors. Ensuite, déjà. Donc, on va se faire déjà nos lingots. Ensuite, on va faire un peu d'or. Voilà, on va se faire tout un équipement. 2, 3, 4. Ensuite, alors. Je pense qu'il faut du fer pour la suite. Ah merde, il faudra en faire chauffer. Allez hop, on va faire ça. Ok. Bon, ça va, Snowbell, tranquille. Qu'est-ce qu'il y a? T'es mimi. Voilà. Voilà ce qu'il y a. Ok, donc on va voir ce qu'il y a à faire avec ce fer. Ouais, ce qu'il y a à faire avec ce fer. Donc je pense c'est la table là, voilà, table de forge. Ok, donc il nous faut encore du bois. Ça met du temps. Alors j'avais entendu une sorcière, je sais pas si. Pas si elle est quelque part par là ou pas. En tout cas, moi je vois rien. Je vois clairement rien. C'est pas normal que je vois rien. Oh putain, le creeper. Ok, je l'ai eu. Et bah la sorcière, je sais pas où elle est, peut-être qu'elle a despawn. Bah let's go, hein, on va récupérer du bois. Ok. Ok, je suis tombé dans le bon trou. Allez, let's go, on va faire la suite. Du coup, on convertit tout ça en bois. Voilà, on se fait quelques dalles. Ensuite, on récupère tout ce qu'on a laissé là. Hop, voilà, le fer, tout ça. Tout, aussi le cuir. Hop, notre pioche, notre nourriture. Voilà, tout ça. Du coup, on fait la table de forge. Voilà, je pense que c'est ça. Hein. C'est bien la table de forge. Ouais, c'est ça. On va faire notre. Hein? Attendez, je comprends pas. Ouais, pourquoi ça marche pas? Est-ce que. Attendez. Ok, ça marche que avec les équipements en diamant. Ok, donc ça marche pas avec la avec l'or. Bah c'est pas grave, écoutez, hop, je me serais fait une armure en or pour rien. Mais écoutez, c'est pas du tout grave. On va prendre du coup, hop, nos diamants. Hop, on va faire, hop, et hop, voilà, on fait tout ça là.
Hop, du coup on a notre belle armure en netherite. Ouais, bon. Voilà, let's go. Ensuite, du coup, bah on a tout un équipement en netherite, bah c'est parfait. Écoutez, hop. Moi je trouve ça parfait. Bon, par contre, j'entends. J'entends une araignée quelque part. Ouais, du coup, alors. Non, c'est pas sur ça, c'est sur ça. Voilà, on va se faire ça, du coup. Alors, à quoi ça sert? Ok, donc on peut faire tout ça là. Hop, je vais prendre. Du coup, il faut que je fasse des sticks. Voilà, je vais prendre beaucoup de sticks. 20 sticks. Ah, ok, c'est un bug de texture, c'est pour ça. Je comprends pas. Je comprenais pas, pardon. Hop. Donc, on va essayer de se faire des trucs, hein, je pense. Alors. 7 points de dégâts, 7 points de dégâts, 7 points de dégâts, bidule. Il y a quoi d'autre? Il y a plein de trucs qui ont l'air bien. Vas-y, on va se faire. Points de dégâts, ça on va se faire la grosse houle. Merde, je m'en suis fait deux. Ouais, bon, c'est pas très grave. On va se faire la grosse houle. Est-ce que ça marche comme ça? Oh, ça marche. Let's go. Donc on a une houle en diamant et une houle normale. Hop, on peut faire quoi d'autre? On pourrait tester plein de trucs. Ça, c'est 6 points de dégâts, 8 points. Allez, qu'est-ce qui pourrait... Bah, il y a plein de trucs stylés en gros avec ce mode. Je pense qu'on est paré en fait. Hein. Je pense qu'on est paré à l'aventure. On va ranger tout ça là. Et du coup, bah, let's go. Je vais ranger tout mon équipement. Hop, je vais juste... Non, je vais partir avec cette armure. Voilà. Bah, parce que bah tout simplement j'ai pas envie là. Hop, j'ai pas envie de tout perdre du coup, justement du coup je vais partir avec cette armure. Je vais juste prendre un équipement en or, genre ça. Hop, hop, et je vais mettre ça là. Et je pense on va prendre plein de blocs et on va essayer de chercher un... Voilà, je pense qu'on va prendre plein de blocs et on va essayer de trouver un stronghold. Hop, et donc dans le prochain épisode, on va essayer de... Hop, je vais faire un truc, tiens. Voilà, je vais faire un petit truc, attendez. Hop, je vais prendre tous les blocs, même les blocs de TNT, tiens. Hop, voilà. Même ça, même ça. Voilà, tous ces blocs là. Il y a quoi d'autre comme bloc? Il n'y a rien d'autre. Hein. Voilà, il n'y a pas d'autres blocs. Parfait. Ouais, du coup, je vais prendre ce panneau. À la place des pistons, allez. Hop. On va écrire un truc. Peux-tu me donner un livre et du lapis? Je pense que vous avez compris. Lapis. Je sais pas comment ça se dit lapis, donc on va écrire comme ça. Voilà. Un petit message. Comme ça, bah parfait. Hein. Voilà. Du coup, bah. Oh mince, j'ai oublié la bouffe. Voilà, c'était ça que j'avais oublié. Voilà, je commençais à avoir faim, je me suis dit j'ai pas oublié quelque chose là, voilà. Allez go. Et je pense, vu que ça va être hyper galère, je pense on va juste se donner des coordonnées. Genre, hop là on va faire slash. Alors, slash c'est quoi? C'est ça.
Alors, hop, non. Slash locate. Slash locate. Hop. C'est quoi comme structure? C'est forteresse. Forteresse. Non, non, je dois écrire structure. Structure. Hop. Fortress. Ok. Voilà. X. Je vais appuyer sur le bouton. Voilà. Ouais, par contre, il faut que j'active les coordonnées. Ah non, c'est bon, tranquille. Hop, ouais, par contre, il me faut. En fait, il faut. Je vais noter les coordonnées. Je vais clairement noter les coordonnées. Alors. Ok, c'est bon, on a la pioche. Ouais, du coup, on reprend. J'ai fait une petite ellipse. Par contre, je comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, je sais pas. En fait, voilà. Alors. Donc, du coup. Ok. Donc, on avançait vers là-bas, non? Ouais, c'est ça. C'est bon, on a notre forteresse. Ça y est. Ok, donc let's go en bas. Oh, en plus c'est à côté d'un. Parfait. Okay, donc là il y a les Enderman. Ok, alors. Mince, mais.
un pont un peu plus grand parce que. Je pense qu'on va en faire des allers-retours. Ah non, c'est vrai, on avait dit qu'on établissait notre base dans le Nether. Bah, let's go. On va s'établir ici. On va faire une petite crevasse, je sais pas moi, là. Et on va s'établir là. Voilà, notre nouvelle base. C'est une base provisoire. Hein. Ok, donc c'est juste une base provisoire. Oula. Ok, bah let's go. On va prendre un peu de bois juste. On va échanger avec quoi? Je sais pas, moi, de la terre. Parfait, donc on a notre petite base. Alors, est-ce qu'on peut faire des trucs avec ça? Ok. Pourquoi je peux pas? Ah ok, hop, hop. Si je peux faire une table de craft. Let's go, mais... Je reste à ta disposition si tu as besoin de moi. Oh, ta gueule! Wesh! Ça parle, ça. Mon hôtel, il a jamais parlé comme ça. Je comprends pas pourquoi j'ai une voix comme ça. Bon, allez, hop. On va faire ça. On va prendre notre table de craft. Voilà. On va se faire un coffre. Hop, hop, on va ranger tout ça. Voilà, bah, c'était parfait. C'est parfait, c'est parfait. On va juste garder quelques blocs quand même au cas où. Ok, bah let's go. Let's go, let's go. Du coup. Comment est-ce qu'on va faire pour descendre? On va juste, voilà, faire un peu plus de... Mince. Voilà, voilà. Alors, comment on va faire pour descendre là, parce que... Déjà, j'entends un ghast depuis tout à l'heure. Oh, yes. Ok, je vous propose de descendre en mine. En mine ici. Ou attendez.
Est-ce qu'on pourrait pas descendre par là? Ah bah c'est parfait ici. Hop, on va faire un escalier. On va le commencer ici. Ok, il m'a repéré. Ok, ils m'ont repéré. Oh putain, ils se lèvent tous. Ok, ils sont tous là, les Blaze. Oh merde! On va parer les boules de feu. Oh purée. Là, la moindre connerie, je suis mort. Putain, ils sont tous sur moi. Allez, let's go. Ok, il y a une entrée là. Oh putain, ils m'ont totalement vu en fait là. Ils sont tous sur moi, je pense. Donc, on va faire un escalier là aussi. Ok, c'est parfait. Ouah, c'est chaud. Bon, je vous propose que je fasse une petite ellipse pour ramener toutes nos affaires dans la petite grotte qu'on vient de se faire là. Dans cette petite grotte, d'ailleurs, il faudrait que je fasse une entrée par là-bas. Je vais commencer ça tout de suite et je vous propose qu'on fasse une éclipse pour ramener tous nos affaires, justement. Oh putain! Ouah, je l'ai trouvé le cast. Bon, ça se récupère.
Bah parfait. J'ai fait le chemin. J'ai fait le chemin. Bah maintenant je vais ramener toutes nos affaires. Du coup, c'est bon, j'ai tout emménagé, tout est voilà, tout est emménagé. Ouais. Ok. Voilà, faut que je voilà. Et aussi, j'ai utilisé tous mes diamants pour me faire d'autres armes parce que voilà, j'ai pas vu ces armes-là. Voilà, c'était cette arme qui fait 10 points de dégâts, c'est plus puissant. Bref, voilà. On va les remettre. Voilà. Et donc j'ai pris de l'obsidienne aussi au cas où. Voilà, j'ai mis tous les coffres et tout. Et j'ai aussi demandé à Billy si il pouvait nous donner des. Du coup, j'ai aussi demandé à Billy s'il pouvait nous les do nous donner du coup les livres dans cette base. Voilà, parce que bah, ça aurait été chiant de retourner bah, pour ça. Voilà. Je lui ai aussi demandé de. Bah, je lui ai rien demandé d'autre en fait. Voilà. Et donc, bah voilà, j'ai aussi ramené Snowbell. Coucou Snowbell, ça va? Et donc, bah, c'est parfait, hein. Je pense que je vous propose d'aller tout de suite à la forteresse, hein. Ah non, attendez. Je vais me faire un bouclier aussi. Ouais, voilà, je vais me faire un bouclier. Ça y est, le bouclier est fait. Je vais le mettre dans ma main gauche quand même. Donc c'est comme ça pour se protéger, parfait. Voilà, quand même au cas où pour les Blaze. Parce que voilà. Donc il y a un générateur juste là-bas, c'est parfait. Je vais sécuriser ça. J'ai mis des blocs là. Oh merde, ça m'a touché. Comment je fais? Ok. Oh, c'est chaud.
Oui. Oh, j'ai eu peur. Je pensais que c'était sécurisé. J'entends des bruits. Ah, je brûle. Ok, let's go, c'est bon. On en a 5. Ok. Ah, c'est dur. Ok, je me suis enfermé. Alors, 5, ça fait combien de gunpowder? Ça en fait... Ouais, ça en fait 10. C'est parfait, 10. Allez, on s'en fait encore un peu, mais... Là, ça nous en fait 20. C'est parfait en vrai, 20. 20, c'est assez. Allez, go, on se casse. On est bon. Du coup, on a toute notre poudre de blaze. Voilà, on a nos torches et tout et tout. Ouf, heureusement que t'es pas venu, Snabel. T'aurais certainement crevé. Allez, let's go. Du coup, on va y aller. Alors, hop. Voilà, ok. On va poser juste toutes les poudres de blaze ici. Et on va y aller se faire des... Hop. On va y aller se faire de l'Enderman. On va utiliser ça pour l'Enderman. Pour les Endermen.
Alors, faut en trouver maintenant. Donc, il nous faut environ une vingtaine d'Endermen, ça va être long. Ok, ça y est, j'ai un bateau. Maintenant, il faut que j'énerve les Endermen. Et que je les fasse monter dedans. Ok, il a l'air mort. Je sais pas si je l'ai énervé ou pas l'autre. Voilà, enfin. Viens là. Il ose pas se battre. Tu veux crever comme ton pote? Parfait. Ok, on en a 19. Il nous en reste plus qu'une. Parfait. Parfait. Y aller où? Ok, c'est bon, j'en ai 20. Je veux juste me débarrasser de l'autre. Ok, je le vois plus du tout. Bah, let's go. Ok, go, on rentre. On rentre en dehors. Oups. Go, 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 go. On court avant que... Let's go.
Ok, c'est bon. Parfait, on est rentré. On est rentré. Let's go, on est rentré du coup. Hop. Hop, j'avais pas fermé ça. Ok, c'est pas grave. Donc du coup, on prend ça. On se fait les Eye of Thunder. Du coup, on s'en fait 20. Voilà, et je pense que du coup, demain... Enfin, non, pas demain, mais genre, le prochain épisode, on ira affronter le dragon, on s'enchantera et on affrontera le dragon. Et bah, ça sera génial, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. On tuera le dragon et ensuite, je vous réserve une surprise après le dragon. Voilà. Donc, likez, voilà, et tout, et tout. Du coup, Snowbell, t'as pas trop participé à l'aventure, mais c'est normal, t'es pas un mode, voilà. Je pense que j'installerai un mode par la suite, vu que l'aventure, juste après avoir tué l'homme en rouge. Malheureusement, Snowbell ne va pas pouvoir nous suivre jusqu'à l'homme en rouge. Mais dès qu'on aura vaincu l'homme en rouge, on continuera l'aventure. Et bah, Snowbell sera un mode, voilà. Pour voilà, comme Frigiel et Fluffy. Hein, voilà, c'est juste pour le style. Ouais, du coup, bah. C'est la fin de l'épisode. Salut à tous les amis, c'est Bye!